Donc aujourd'hui, c'est donc la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est symbolique, évidemment, d'être ici aujourd'hui avec le collectif d'Égal à Égal et toutes les organisations qui composent le collectif d'Égal à Égal. On essaye d'être présent toutes les fois où on peut revendiquer et lutter pour nos droits. C'est symbolique parce que simplement, il nous reste tellement de choses à conquérir de par le monde qu'il est important pour nous de le rappeler tous les jours et de le redire et de faire en sorte que les choses bougent un petit peu. Alors en plus, en ce moment, j'ai cru percevoir de la fébrilité au niveau électoral, hein, une certaine fébrilité électorale. Donc, on en profite hein, pour interpeller évidemment tout le monde et pour faire en sorte que nos droits évoluent. Donc à l'international, encore actuellement, il y a trop de viols utilisés notamment encore comme arme de guerre. Il y a trop de mutilations sexuelles, trop de mutilations, trop de mariages forcés, trop de violences faites aux femmes. Plus près de chez nous, eh bien, l'Espagne vient de valider définitivement son renoncement au droit à l'IVG. On s'est pourtant mobilisés tous ensemble en France et dans le monde. Mais visiblement, on n'a pas dû crier assez fort. Ça veut bien dire que, en fait, ça peut arriver partout et tout le temps, des retours en arrière, des backlash, hein, comme on appelle ça. Et nous, en France, eh ben, on est victimes aussi depuis quelques mois, là, de gros retours en arrière. Il y a beaucoup de mobilisation contre une supposée et diabolisée théorie du genre qui n'existe pas. Il y a une mobilisation énorme contre l'ABCD de l'égalité. Il y a des rumeurs les plus fantasques qui circulent sur des supposées pratiques dans les écoles. Des mobilisations qu'on a vues l'année dernière contre le droit pour les personnes de même sexe de se marier. Bref, notre collectif et puis toutes les organisations qui luttent qui sont engagés pour les droits des femmes au quotidien. On lutte tous pour une véritable égalité. Là, sur les murs, à côté, il y a les plus belles citations sexistes internationales et nationales de grosso modo de l'année écoulée. Non, on se dit, il y a quelques plus anciens. C'est vraiment un florilège parce qu'on avait vraiment l'embarras du choix. On en a laissé plein dans nos cartons. On en avait déjà sorti lors des journées d'égal à égal. Là, c'est des nouvelles. Malheureusement, ce sexisme ambiant, on le vit au quotidien, que ce soit dans la pub, dans les médias, partout. Et on a vraiment envie de dire qu'on en a marre et qu'on voudrait vraiment une société non sexiste, une société égalitaire et une société qui respecte chacun dans son intégrité et dans ses choix. Voilà, donc ensemble, on peut faire bouger les choses, et on espère vraiment réussir à le faire. L'idéologie sexiste rend possible un système social fondé sur la domination des hommes sur les femmes, sur les enfants et sur les personnes jugées féminines, les homosexuels ou les transsexuels. Un système nommé le patriarcat. Il nous donne un mode d'emploi de la féminité, de la virilité, des rapports entre hommes et femmes, de la vie amoureuse et érotique. Et ce mode d'emploi a des conséquences sur comment nous définissons notre identité, notre rapport au corps, nos choix affectifs et sexuels. Il a pour effet de modeler nos désirs à tous les niveaux de notre vie, ainsi que nos relations avec les autres, hommes, femmes. Il façonne notre regard sur la violence. Pour ressembler à l'image que la société attend de nous, nous abandonnons une partie de notre authenticité dans nos manières d'être et nos relations avec les autres. L'estime de soi des femmes, généralement détériorée par une éducation sexiste qui valorise plus le corps que l'intelligence et la personnalité, ou la personnalité. Les hommes ne vivent pas dans un monde où leur corps est chaque jour scruté et critiqué par les femmes et les hommes, contrairement à ce que vivent les femmes. Ouais. Non, on a des crises de tout bord.